Seigneur, vraiment, de toi pour moi. Est-ce que tu n'as jamais reçu sans connaître alors que le Saint-Esprit nous inspire donc, le nom que nous sommes avec toi. Quand Jésus passe par ici en même temps pour obtenir le nom que le Seigneur m'a donné, le jour où on est en train de faire son baptême du Saint-Esprit, on priait. Donc, quand on priait, en même temps, le Seigneur m'a inspiré le nom Hachem. Donc, quand je suis parti à la maison, c'est là maintenant, le Seigneur me dit, c'est Esther Rachel, Esther Rachel. Donc, j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi. Voilà. Amen. Donc, mais dis-moi, est-ce que tu connais l'histoire de Rachel? Je connais l'histoire de Rachel. Parce que Rachel était beaucoup plus insistée en moi que je ne pouvais pas supporter. Je voulais lui dire ça, mais je lui dis non, il faut que je garde. Voilà, tu connais l'histoire quand de Rachel. Quand on entrait dans l'eau, moi j'avais reçu comme inspiration, j'avais reçu Rachel, Voilà. Donc c'est pourquoi, quand tu as parlé d'Esther, j'ai laissé ta bonne Esther, je parle de la bonne Esther. Est-ce que tu connais l'histoire de Rachel? Non, pas exactement. L'histoire de Esther, c'était plus Esther qui jeûnait, qui a pris 3 jours de jeûne pour son peuple. Voilà, c'était plus à Rachel. L'histoire de Rachel, bref, est-ce que tu peux le dire rapidement, bref, pour l'histoire de Rachel? Bon, Rachel, il faut noter. Là, on va lui donner aussi le verset à la maison. Bon, Rachel, il faut savoir que Rachel était la fille de Laban. À tout moi. Que Jacob a aimé. Jacob voulait la prendre comme femme. Donc, il a travaillé pour prendre Rachel comme femme parce qu'il a aimé tant. Donc, c'est en cela qu'on lui a donné Léa. Et il a tout fait, voilà, pour obtenir son Rachel, qu'il aimait tant. Voilà. Donc, Rachel aussi était cette servante de Dieu qui a donné naissance à Joseph, que Jacob aime beaucoup plus, voilà, a aimé tant. Donc, Joseph était ce fils que Jacob a aimé, que Rachel lui a donné. Voilà, Jésus dit, pas Jacob, et Joseph était pour moi. Ils sont là, ils sont venus en Égypte. Après, maintenant, le Seigneur les a sortis de l'Égypte pour aller. Donc, on a tout le balade de ce aussi par Rachel, le Seigneur a accompli l'un de ses desseins dans la vie de Jacob. Voilà donc notre bien-aimé Rachel. Dis-moi, et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse après ce baptême? C'est comme une promesse, oui, ce que tu veux de ton cœur que le Seigneur fasse. Qu'il me vraiment pardon des persécutions, parce que là, ça n'a pas été facile pour moi pour venir dans l'espoir. Ce qui me tient à cœur, qui me visite vraiment. Amen. Voilà, Jésus, il va le faire. Personnellement. Amen. Mais est-ce que tu sais qu'après ce baptême d'eau, c'est maintenant les persécutions qui vont commencer en soi-disant réelles. Tu
tu sais ça. Je sais ça. Parce que désormais, tu sais, quand les persécutions viennent, ne voyons pas toutes les persécutions comme des trucs négatifs, en fait. Les persécutions viennent parce que la Bible déclare que nous serons persécutés à cause de lui. Quelqu'un qui te voit, c'est-à-dire une force mystique, une force démoniaque, une force démon des ténèbres qui te voit, par exemple. Il voit Christ en toi. Il voit lumière en toi. Et c'est cette lumière, eux, ils combattent, en fait. C'est pas quand nous voyons des persécutions, c'est-à-dire nous voyons que. Parce que Christ nous a dit, Christ, tu sais pas, on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en nous. Mais Christ a été persécuté quand il était sur la terre. Il a été persécuté. On l'a dépassé la gloire, la lumière qui était en lui. Les gens ne supportaient pas. Et maintenant, il a dit, je partirai, mais je ne vous laisserai pas offrir. Ce qui veut dire qu'il a envoyé son esprit. Et c'est son esprit qui est en nous. Et c'est l'esprit, la Bible nous déclare que cet esprit qui est en nous, ça veut dire qu'il a des fruits. Et ces fruits aussi ont des qualités. Et c'est ces qualités maintenant que tu dois commencer à développer. Et quand tu commences à développer ces qualités, par exemple la paix, la joie, l'amour, la bénité, la tempérance, la douceur, l'ennemi ne va pas supporter cela parce qu'il voit déjà les fruits de la lumière en toi. Et il va te combattre. Là où tu auras la vérité, là où tu vas vouloir dire la vérité, on va tout faire pour pouvoir te corrompre à mentir. On va tout faire pour pouvoir mettre des obstacles de colère devant toi. Et c'est pas là que les persécutions vont venir. C'est pas là. Mais c'est à toi de comprendre que, ah, ça là, c'est le cœur de l'ennemi. Tu dois fuir. Ah, ça là, c'est le cœur. Donc, tu dois être dessus. Tu vois. Donc, c'est maintenant même les persécutions vont commencer. Donc, c'est à toi d'être attentif à tout temps. C'est à toi d'être attentif. Tu dois maintenant te rattacher de ton Seigneur, savoir quand le Seigneur me parle, par quel moyen le Seigneur me parle. Et quand tu t'arrives à identifier ces choses-là, tu vas facilement traverser les persécutions sans même se rendre compte que toi, tu as fait les persécutions. Il suffit juste de savoir comment le Seigneur me parle. À ce que le Seigneur me parle, comment? Par exemple, maintenant, moi, j'ai ma manière. Avec, je communique avec le Seigneur. Si le Seigneur veut me visiter, je sais. Il veut me parler, je sais. Quand? Par quelle manière? Par comment il veut me parler? Je sais déjà, donc je me ressaisis. Je suis attentif. Je suis. Et voilà. Donc tu dois être attentif. Avec cela, tu vas traverser facilement les persécutions. Sinon, c'est maintenant même là. Les persécutions vont commencer. Parce que désormais, celui qui te voit, il te voit Jésus, il voit Jésus en toi. Et Jésus-Christ qui a été combattu, c'est Jésus en toi. Il ne faut pas te laisser. Tu vois? Si quelqu'un a fait Christ et vit paisiblement, il n'y a rien, il manque toute sa vie comme il fait, mais il n'y a rien là. Il faut lui poser la question si vraiment c'est le véritable Christ là-dessus. Parce qu'il y a des moments qui vont venir vraiment, tous les moments qui voient. Mais vous êtes même plus sur le que je vous mette devant ce que vous ne pouvez pas supporter. C'est pas celle que tu peux supporter cela. C'est pourquoi il t'a amené, tu m'as parlé dans tout ça. Pour que tu puisses témoigner. Alléluia. Donc, c'est un chat. Donc, tu dois. Donc, nous allons prier. Nous allons voir là, Seigneur, le vœu qu'elle vient de faire. Seigneur, que ce que ce vœu soit exaucé. Prions notre Jésus-Christ. Seigneur, Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Après ce baptême, je promets d'être fidèle à l'évangélisation. C'est ça que tu as dit. D'être fidèle. D'abord, est-ce que tu sais, pendant l'évangélisation, les gens que tu appelles pas te gifler, tu es un tarif comme il t'a fait. Est-ce que tu es Est-ce que tu ne vas pas t'irriter, tu ne vas pas te mettre en colère, peut-être? Ah, tu es sûr. Ils vont te gifler. Ils vont te gifler. Ah ouais, c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, il te dit. Nous maintenant, on nous a déjà frappé plusieurs fois sur le terrain. C'est la réalité du terrain. On prend même ton pancarte, on casse sur ta propre tête. Ou bien on prend ton métaphore, on te casse sur la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir te venger, crier, chacasser, se bagarrer avec lui, c'est ça. Non, je ne vais jamais maîtriser. Voilà.
Donc c'est la vertu du soir qui compte sur le terrain. Et donc sur le terrain, attends-toi à tout. Pour rien faire pour pouvoir, c'est-à-dire être au-dessus de la loi, ou bien pour rien faire pour pouvoir, c'est-à-dire boycotter la loi, pour rien faire pour pouvoir provoquer quelqu'un, pour rien faire pour pouvoir, c'est-à-dire abuser de quelqu'un, en tout cas, tout ce qui est. Mais si tu es toi et tu peux, les gens vont te persécuter. Ils vont même t'arracher ton mégaphone. Ils vont même te. Plusieurs fois, les gens ont déjà arraché le téléphone avec le prénom direct et choses. Plusieurs fois. Tu vois. Les choses, c'est la réalité du terrain, en fait, je te le dis. Il y a même des zones, tu iras, même on t'interdit même de ne même pas brancher le nom de Jésus. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas abandonner. Il y a une manière. Automatiquement, le Saint-Esprit, quelle manière tu peux prendre? Quoi encore? Ceux qui veulent t'écouter vont écouter. Quoi encore? Donc, il y a plusieurs manières. Donc, sur une démonstration, il y aura beaucoup qui vont te persécuter. Il y aura même des réalités que tu. C'est-à-dire que même ta propre mère ne peut même jamais, même tes propres parents ne peuvent même jamais te le dire ou bien te faire. Mais les gens vont te faire sur le terrain. Donc, à ce moment, c'est là où la douceur, la tempérance, l'amour, la maîtrise. Donc, sois prêt partout sur le terrain. Quand tu as décidé d'évangéliser, donc sois prêt, surtout encore en France. En France, ça, c'est vraiment difficile. C'est tellement difficile. Tellement difficile. En tout cas, on sait. Sois forte, sois docile. Le Seigneur va te soutenir. C'est papa pour te faire peur. Mais c'est la réalité quand même. Donc, le Saint-Esprit va te fortifier. Le Saint-Esprit va te soutenir. D'accord. Donc, voilà, nous allons prier pour elle. Elle a décidé dépeupler le royaume des ténèbres et remplir le royaume des cieux. Tandis que le Seigneur la soutient dans cette mission, que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur soit avec elle pendant toute cette mission. Seigneur Jésus, je te bénis, je te dis merci. Voici ta servante. Seigneur, que les morts soient ressuscités. Seigneur, que les péchés abandonnent le péché. Seigneur, que tout ce qui est le mauvais chemin abandonne ce chemin et revienne sur le chemin de moi. Revienne sur le chemin de moi. Seigneur, au moment où il va commencer par annoncer l'évangile, Seigneur, que les têtes pleuvent pour la soirée repentie, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Il faut faire comme ceci. Voilà. De n'importe quelle manière, pouvoir faire bétonner. Ou d'être une bonne entre pas. D'accord. Faut tenir ça, il faut bien garder ça. Voilà. Tu l'eau n'entre pas. Hein? Ok. Faut pas avoir peur. Notre sœur Rachel, aujourd'hui nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es morte avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. Enflamme-la, 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 enflamme-la,
Seigneur, je prie que Seigneur, que cet don maintenant, Seigneur, se développe. Au nom de Jésus. Que cet don s'active. Au nom de Jésus. Que les dons de puissance soient activés. Que les dons de puissance. Soit activé maintenant. Que les dons de puissance soient activés. Les dons de guérison. Les dons de guérison. Seigneur, je prie maintenant que cet don soit activé. Les dons de miracle. Activé maintenant. S'active maintenant. Activé maintenant. Les miracles s'activent. Reçois le feu. 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 Rose-toi le feu, rose-toi le feu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, active-le, active-le, active-le maintenant, Seigneur. Que cette pensée soit activée. Pensée, au nom de Jésus. Désormais, ta pensée est pointée à sa Au nom de Jésus. Pour la gloire de ton Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Mets de l'huile dans sa lampe. Seigneur, mets de l'huile dans sa lampe. Tu remplis sa lampe de ton huile. Remplis sa lampe. Seigneur, moins là maintenant de ton onction. Moins là maintenant de ton onction. Mets de l'huile dans sa lampe. 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 Que sa lampe déborde maintenant. Que sa lampe déborde. Dans le nom puissant. Seigneur Jésus, Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, le fruit de son être. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa. Je mets sur sa tête, Seigneur, son casque de salut. Amen. Seigneur, ce casque de salut, Seigneur. Oh Seigneur, qui couvre maintenant, Seigneur, son salut, Seigneur. Amen. Seigneur, que rien, Seigneur, ne vient jamais t'arracher de tes mains. Parce que tu l'as racheté à un grand prix. Amen. Seigneur, tu l'as racheté à un grand prix. Ne permets jamais que quelque chose ou un être humain, Seigneur, vienne l'arracher son salut, Seigneur. Seigneur, je mets sur sa partie maintenant. Oh, la cuillère de la justice. Amen. Rien que la justice. Seigneur, rien que la justice. Elle doit défendre la vérité. Amen. Elle doit défendre la justice. Amen. Seigneur, rien que la justice, Seigneur. Amen. Seigneur, je prie, papa, que tu scelles, papa, sur son corps maintenant, Seigneur. Les fruits du, le fruit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que tu scelles les qualités du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, le fruit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le fruit du Saint-Esprit. Je le fruit du Saint-Esprit. Je le fruit du Saint-Esprit. 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 Elle doit te mêler dans la vérité. Au nom de Jésus. Et rien que la vérité. Au nom de Jésus. Moment où le mensonge viendra. Oh. Et un rappel là. Seigneur, tu as reçu un esprit de vérité. Au nom de Seigneur, rappel là que sa statue de vérité est là pour rien que la vérité, Jésus. Seigneur. Amen. Ne permets jamais que le malin vienne l'introduire dans le mensonge, Amen. Seigneur. Seigneur, mais que sa statue de vérité, Seigneur, soit comme un rappel, Seigneur. À tout moment où elle doit mentir, elle doit te souvenir de cette vérité qui est là, Seigneur. Seigneur, je prie, papa, que tu mettes à ses pieds les chaussures du sel de l'évangile. Seigneur, elle reçoit les bottes du sel de l'évangile. Seigneur, tu as dit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, je vois maintenant ces pieds. Seigneur, le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Le zèle de l'évangile maintenant. Le zèle de l'évangile maintenant. Seigneur, je prie également, Seigneur, que si c'est timidité, ce qui est peur pour pouvoir annoncer l'évangile, timidité pour pouvoir annoncer l'évangile. Seigneur, à l'instant, Seigneur, nous l'aide.
été pris au nom de Jésus. Nous les renvoyons au nom de Jésus. Nous les renvoyons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. À l'instant, elle reçoit un zèle. Tu reçois le zèle. Tu reçois une puissance. Tu reçois une puissance. Tu reçois une force. Tu reçois une puissance. Tu reçois un zèle. Tu reçois une puissance. De l'évangile. Le feu de l'évangile. La folie de l'évangile maintenant envoie la puissance de ce lettre. Au nom de Jésus. Allez, amen. Maintenant, tu reçois maintenant ton bouclier. Le bouclier de la foi. Le bouclier qui balance contre les flèches, les persécutions. Oh, le bouclier de la foi. Alléluia. Si tu as le bouclier de la foi, quelles que soient les persécutions, quelles que soient ce qui viendra, tu vas les surmonter. Car le bouclier est là pour les arrêter. Le bouclier est là et tu ne seras point ébranlé. Reçois que le bouclier soit attaché à ton âme. Les flèches, les javelots, les lances, les sorts, les magiciens, tout ce qui vont te lancer. Ce bouclier est là pour les arrêter au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois maintenant. Oh, l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit. L'épée qui va les confondre. L'épée qui va les confondre. L'épée qui va confondre le monde des ténèbres. L'épée qui confond les sages. Ceux qui se disent qu'ils sont des pasteurs. Ceux qui se disent qu'ils sont des connaisseurs de la parole. Ceux qui se disent qui connaissent. Je prie maintenant que ton épée les confonde. Que l'épée les confonde. L'épée qui est la parole. Au nom de Jésus. L'épée qui est la parole. L'épée les confonde. L'épée les confonde. L'épée les confonde. L'épée les confonde. Ceux qui se disent sont pasteurs. Ce qui se dit pour des nations, ce qui se dit archibishop, l'épée est là, la parole est là pour les confondre, 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 pour les confondre. L'épée est là maintenant. Que tout esprit, tout démon ou tout esprit malin qui va vouloir t'environner, oh l'épée qui est là, que l'épée les décapite. L'épée qui est la parole. Ainsi il a été dit. Oui, il m'a été dit. Jésus-Christ a déclaré. Jésus-Christ a dit que tes paroles, tes propos, oh Seigneur, les renvoie complètement. Les mis maintenant, mise à l'homme. Que cette épée, maintenant, Seigneur, viens pour les confondre maintenant. Viens pour les décapiter. Viens pour les chasser. Viens pour les décapiter. Viens pour les égorger maintenant. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je mets maintenant, papa. Oh Seigneur, le manteau de la fermeté. Je reviens maintenant du manteau de la fermeté. Tu reçois le manteau. Tu reçois le manteau. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient ce qui va l'arriver. Seigneur, que ce manteau, Seigneur, oh, demain, toujours sur son corps, Seigneur Jésus. Le manteau de Jésus, merci, papa. Au nom de Jésus. Parce que tu l'as fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Jésus. Sœur Rachel, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait passer quand tu as plongé dans l'eau? Quand je suis sorti, il y avait la voix qui disait, est-ce que tu sais que je t'aime? Ah oh, voilà. Jésus, gloire à Jésus. C'est un grand témoignage. L'amour de Dieu. Elle a dit, amen. Et après, quand on l'a plongé, on l'a fait sortir, il y a une douce voix qui est venue lui parler, lui dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Alléluia. C'est la voix de Jésus-Christ. Alléluia, c'est la douce voix. Et c'est la voix qu'on aimerait entendre au jour les jours. Alléluia, donc tu dois savoir, ma soeur, que Jésus-Christ t'aime. D'accord? Il est avec toi. Jésus-Christ, en quelque soit ce qui va t'arriver, rappelle-toi de cette voix que tu as reçue. Cette voix, on sait que je t'aime. N'importe quel soit ce que tu fais, rappelle-toi que Jésus-Christ t'aime. D'accord? Il ne faudrait pas que cela t'arrive. Ça ne t'arrive même pas. De dire, ah, Jésus-Christ avec moi. Tu m'as déjà abandonné. Ah, Jésus m'a déjà laissé. Mais dis-toi que Jésus-Christ t'aime toujours. Quelque chose que tu vas traverser. Et avec toi. Donc que la paix du Seigneur soit avec toi. Dès que tu vas retourner là-bas. Je vais te voir devant même. En train d'évangéliser, devant avec le feu, avec le zèle, en train d'aller, même en train d'aller, d'évangéliser. Amen. Amen. Oh, derrière les. Il y a derrière la foule. D'accord. Tu diras devant la foule. Voilà, devant. Voilà, Jésus-Christ va te soutenir. Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il va te soutenir. Voilà, Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. 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 Gloire à Jésus. À part le Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que notre sœur, elle a vécu dans l'eau de baptême. Après, quand elle était sortie, elle a reçu en elle une voix qui lui dit le thème, la douce voix qui vient du ciel, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes vraiment dans la joie de partager vraiment ce témoignage avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, Jésus. Voilà, Jésus.
Chers frères dans le Seigneur, nous voici déjà dans l'eau de baptême pour pouvoir baptiser notre sœur Ghislaine qui a quitté la France pour venir vivre le réveil au Bénin. Alléluia, donc vraiment le Seigneur a déjà travaillé avec elle, où elle a déjà préparé tous les processus. Et à l'instant, nous sommes sur l'étape de baptême. Alléluia. Et Jésus-Christ va le baptiser. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bravo. Mon genou fléchit à l'invention de son nom. Toute langue confesse. À la mention de son nom, Jésus, tout genou fléchit. À la mention de son nom, Jésus, tout de la confesse. Oh, ça c'est bon. Est-ce que tu as parlé?
Seigneur, ce qu'elle a dit, elle va le dire quelque part. Pour voir cela, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Et nous savons, papa, que toi, tu es un Dieu. Papa, tu vas le faire. Parce que tu as dit, papa, ce que ta bouche dit, ta belle l'accomplira. Seigneur, ce qui sort de ta bouche, ne te regarde jamais sans avoir être accompli. Et je prie, papa. Oh, Seigneur, tu prends les défaits que tu as mis sur la bouche. Seigneur, voilà ce qu'elle a dit maintenant. Seigneur, je prie, papa, que tu la merci, Seigneur. Au nom de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami de tous les jours, Jésus est mon ami de tous les jours. Servante Esther, aujourd'hui nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. Alléluia. Les dons de vision, les dons de prophétie. Tu as mis en elle, Seigneur, à l'instant, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur. Oh, que tous les écailles qui vont l'empêcher de voir ce que tu me montres. Les écailles tombent maintenant. Je prie maintenant que tout ce qui est sans même va l'empêcher de détruire, de dire ainsi par les Seigneurs, de dire tout ce que tu as mis de sa bouche. Je prie maintenant que tout ce qui soit enlevé, soit enlevé. Désormais, est attentive pour écouter sa douce voix. Oh Seigneur, elle est prête maintenant pour t'écouter. Au moment où tu vas vouloir l'écouter, elle te dit, Seigneur, je suis disponible. Parle. Seigneur, elle doit recevoir ta douce voix. Pour la faire sortir par sa bouche. Seigneur, elle doit voir tout ce que toi tu le montres. Seigneur, les dons de guérison, les dons de prodiges, les dons de miracles que tu as mis en elle. Seigneur, à l'instant, tu les actives maintenant. Elle doit sentir, Seigneur, s'il y a un don qui va se manifester, les dons de guérison. Seigneur, toi, tu as plusieurs manières pour agir. Seigneur, je prie maintenant. Que ces dons maintenant, les dons de guérison, les dons de miracle. Seigneur, elle est zélée pour les variations. Et quelqu'un qui a le don de variation doit avoir les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracle. Oh Seigneur, je prie maintenant. Que tu enflammes tes dons en elle. Enflamme. Et je prie maintenant, papa, que tout ce qui est chagrin, tout ce qui est souci, tout ce qui est colère, tout ce qui est souci, tout ce qui est amertume, Seigneur, tout ce qui est angoisse, c'est cette détresse, Seigneur, retire-les de son cœur. Retire-les, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as laissé tes fruits, Seigneur. Et tes fruits que tu nous as laissés, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénité, la tempérance, la douceur, oh la fidélité. Seigneur, je prie maintenant que ce fruit maintenant remplisse son cœur. Oh, ce fruit maintenant s'attache à ton cœur. Le fruit s'attache à ton cœur. Le fruit de Saint-Esprit s'attache à ton cœur. Le fruit de Saint-Esprit. L'amour, la paix, oh la bénité, la douceur, oh la bonté, oh Seigneur, la fidélité s'attache maintenant à ton cœur. S'attache à ton cœur maintenant. Seigneur, je prie maintenant, papa.
Seigneur, je prie maintenant, papa, que tu lui donnes aussi les dons de libération. 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 Pour la gloire de ton Seigneur. Je prie maintenant que tu la bénisses, papa. Pour que tu bénisses ton œuvre. Seigneur, quelqu'un puisse aussi bénir ton œuvre. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-la. Bénis-la, elle puisse aussi bénir à ton nom, parce que ton nom va bénir le Seigneur, pour la croix de ton nom, rien que tu me dis de toi, rien que je prie pas, que tu m'aimes dans la tête, Seigneur, oh je prie ton cas de salut, le cas de salut Seigneur, et ce cas son rôle papa, c'est d'arrêter toute flèche, oh c'est d'arrêter toute flèche mentale, toute pensée impudique, toute pensée hérésie, toute pensée qui ne te glorifie pas. Et je prie papa que ce casse de ce casse du salut les arrête papa. Seigneur, son salut est très important Seigneur. Seigneur, son salut est très cher pour elle. C'est pourquoi elle a quitté des pays, des kilomètres pour venir Seigneur vivre le feu du présent Seigneur. Et je prie, elle ne va jamais faire toutes ces choses et rater également ou encore son salut. Seigneur, je prie papa. Que son cas de salut soit mis à cette place. Et je prie maintenant que tu mets à sa porte maintenant la cuillère de justice. C'est quoi de Jésus maintenant, Seigneur? Venu pour Seigneur Jésus, papa. Oh Seigneur, la maintenir de la foi. Que sa foi soit inébranlable, Seigneur. Seigneur, quel que soit le vent qui souffle là, quelle que soit la tendance, quel que soit ce qui se passera, que sa foi soit inébranlable en toi. Seigneur, que sa foi soit basée sur toi. Rien que toi, Jésus. Seigneur, elle ne connaît plus rien que toi, Seigneur. Et elle ne connaît pas serviteur. Elle ne connaît pas prophète. Elle ne connaît pas évangéliste. Mais l'excellence évangélique. Toi, tu es le plus excellent. Tu es l'excellent pasteur. Tu es l'excellent berger. Tu es l'excellent docteur. Tu es l'excellent prophète. Seigneur, je prie maintenant que sa foi s'attache uniquement à toi, Jésus. Sa foi uniquement sur toi, Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu lui donnes maintenant, Seigneur, son bouclier anti-missile. Le bouclier. Son bouclier anti-missile. Le bouclier de foi. Le bouclier qui va arrêter, Seigneur. Oh Seigneur, toute flèche où le monde des ténèbres va lancer contre son âme. Ce bouclier est là pour les arrêter. Pour les arrêter. Pour les arrêter. Pour les arrêter. Ce bouclier les arrête. Ce bouclier les arrête. Tu reçois ton bouclier. Le bouclier anti-missile. Tu reçois ton bouclier. Tu reçois ton bouclier. Tu reçois ton bouclier. Tu reçois ton bouclier. Oh, quel que soit les missiles, quelles que soient les attaques qui vont lancer contre ta vie. Ce bouclier est là pour les arrêter. Pour les arrêter. À l'instant maintenant. Tu reçois à tes pieds. Oh, la chute du fait de l'évangile. À l'instant, tu es enframé pour l'évangile. À l'instant maintenant, tu peux aller partout sur la terre. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et rien ne pourra te nuire. Aucune force ne peut pas t'empêcher d'annoncer l'évangile. Oh, la forme de l'évangile en toi. Si tu n'annonces pas l'évangile, tu ne seras pas à l'aise. Tu dois annoncer l'évangile. Car désormais, le feu brûle en toi. Le feu de l'évangile brûle en toi. Le feu 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 brûle en toi. Le zèle de l'évangile en toi. Le zèle de l'évangile en toi. Le zèle 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 de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Le zèle. Le zèle. Le zèle. Le zèle, le zèle, le zèle, le zèle de l'évangile. Désormais maintenant, les bottes de l'évangile sont à tes pieds. Les bottes de l'évangile sont à tes pieds. Les bottes de l'évangile sont à tes pieds. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Christ. Oh, regarde. Désormais, c'est celle où celui qui te voit. Elle te voit belle dans tes chaussures du zèle de l'évangile. Elle te voit belle dans tes chaussures du zèle de l'évangile maintenant. Maintenant, à l'instant, tu reçois ton épée. Oh, l'épée. L'épée. Le peuple d'un canage, le peuple d'un canage qui va combattre les esprits méchants, le peuple qui va combattre les forces ténébreuses, le peuple qui va combattre toutes les forces qui ne rendent pas gloire à Jésus. Le paix est là pour les tailler maintenant. Le paix est là pour les tailler. Le paix est là pour les tailler. Le paix est là pour les tailler. Le paix est là pour les confondre. Le paix qui est la parole. Cette paix va confondre ceux qui se disent sages, ceux qui se disent docteurs, ceux qui se disent qu'ils connaissent Dieu. Oh, le paix qui est la parole est là pour les confondre. Désormais, essaie. Tu as la parole sur toi. Et avec la parole de Dieu, tu vas confondre les sages. Tu vas confondre les théologiens. Tu vas confondre. Oh, les magiciens. Tu vas confondre tous ceux qui se tu vas les confondre. Les sorciers, tu vas les confondre avec la parole. Même ta propre pensée, tu vas confondre. Tout est si impur.
les mauvaises pensées, tu vas les confondre par la parole qui est l'épée. Oh, l'épée dans ta main. Et c'est avec l'épée. Oh, tu vas te défendre. C'est avec l'épée. Tu vas les confondre. Avec l'épée. Aucun démon. Aucun démon. Aucun esprit. Ne peut plus te surmonter. Ne peut plus régner en toi. Avec l'épée dans ta main. Oh, tu ne verras aucun démon. Oh, même quand tu vois des mots, tu vois un esprit méchant, tu dois savoir que tu as l'épée en toi. Et avec l'épée, tu les considères comme des murs. Pas la gloire de notre Dieu. Et je le reviens maintenant. Je le reviens maintenant. Je sais maintenant à sa haine la fille de la vérité. Seigneur, elle doit demeurer de la vérité. Je mets à sa haine la ceinture de vérité. Elle doit demeurer de la vérité. Seigneur, elle sait de la vérité. Est-ce que c'est vérité ou rien? Est-ce que c'est vérité ou rien? Je proclame, je déclare sur ta vie, vérité ou rien? On ne doit pas te trouver de la corruption. On ne doit pas te trouver de la trahison. Mais tu es toujours de la vérité. La vérité à terre. La vérité à terre. La vérité ou rien? La sainte doctrine ou rien? La défendre cette doctrine. Tu dois petit tout le soleil. Tu vas défendre cette doctrine. Parce que tu as ta vérité de vérité, mais désormais. Tu te mets de la vérité. Maintenant, à l'instant, je te remets le manteau de la fermeté. Tu devais ferme. Ferme. Est-ce que ferme? Est-ce que la fermeté? La fermeté. 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 Pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand t'as plongé, on t'a fait, on t'a... J'ai senti... Je ne sais pas comment le dire. J'ai senti comme si j'avais une puissance qui rentrait en moi. Et après, quand vous avez prié, la puissance est venue encore plus forte. C'est pour ça que je commençais à trembler là, quand vous avez donné les dons. Amen. La puissance est manifestée. C'est manifesté. Le Seigneur a fait grâce. Amen. Cette grâce, la Bible déclare qu'il va allumer la lumière et le mettre sous les puceaux. Alléluia. Mais on le met en haut sur la montagne. Sur la montagne, sur la maison, toi. Afin que ceux qui viennent. Dans cette grâce en particulier, que le Seigneur t'a fait grâce. Tu dois partager cette grâce avec tout le monde. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois chercher à sauver ta famille. Tu dois pour plus considérer ta famille comme des sorciers. C'est des sorciers au sanglier de Jésus. Donc nous devons les annoncer la bonne nouvelle pour pouvoir les ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que Jésus-Christ est en nous. Et nous ne pouvons plus rien contre nous. Alléluia. Donc nous devons chercher à les taire pour Jésus. Nous devons chercher à les ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu as le Seigneur t'a accordé cette grâce. Cette grâce. Voilà, c'est là que tu dois aussi la partager avec tout le monde, ce que tu vois. Alléluia. Il y a des centaines d'anges. Rappelle-toi que le Jésus qui s'est appelé toi. Rappelle-toi que tu as quelqu'un qui est ton défenseur. Tu as quelqu'un qui est ton fondateur. Tu as quelqu'un qui est ton berger. Alléluia. Et le plus grand prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc que le Seigneur soit avec toi. Tu as tout ça marche. Amen. Donc tu vas d'abord sortir. On va prier d'abord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Elle est ici, la voix du Seigneur est ici. Amen, amen. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu sont semblés. La gloire de l'Éternel est ici. Oh, je la vois, elle est ici, la gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu sont semblés. La gloire de l'Éternel.
Tu es Dieu. Seigneur, je sais que le sang que tu as pris de Gogota, ce sang va localiser maintenant ces 6, 7, 6, 6. Ce sang va localiser ce lien afin de pouvoir briser ce lien maintenant. À l'instant, je vois le sang de Jésus maintenant. Tout le sang de Gogota, le sang de son corps maintenant. Et localiser maintenant ces 6, 6. La sang localiser maintenant. Le sang est mort. La vie qu'il amène, la vie qu'il menait avant, Seigneur, cette vie est morte, c'est dans le corps de Jésus. C'est toi qui dis en lui maintenant. Je prie maintenant. C'est que tu vis vraiment en lui. Seigneur, vis vraiment en lui maintenant. Désormais maintenant, cette démarche doit changer. Désormais, cette chose doit changer. Désormais maintenant, tout doit changer en lui. C'est qu'il doit approuver, oui, qu'il y a une nouvelle naissance pour la croix de Jésus. C'est à l'instant. Voilà. Je suis animé d'une grande joie. Alléluia. Amen. Jésus. En tout cas, moi-même, je lis ça. Je lis la joie au visage. En tout cas, il y a une joie qui inonde d'abord votre vie. Et ça nous certifie que ça, déjà, c'est un fruit de l'esprit de Dieu qui en est bien se manifester dans votre vie. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Et Julien, aujourd'hui, c'est un nouveau départ vers le ciel et une nouvelle vie qui va commencer en Jésus, même si c'est un nous. Parce que la Bible dit si quelqu'un se répand sur la terre, si quelqu'un, si une seule personne sur la terre se répand, il y a de la joie au ciel. Donc à l'instant, vous voulez accomplir au ciel, il acte. Qu'est-ce que vous voulez faire pour acter ce moment-là? Après ce moment de baptême, j'aimerais que le Seigneur me remplisse de son esprit. Amen. Et qu'il me garde tout le temps dans sa maison. Amen. Qu'il m'aide à le servir, à le servir sincèrement. Dans sa maison. Amen. Dans sa maison, gagner des âmes pour lui. Amen. Alléluia. Et si le Seigneur ne m'a pas communiqué à celui qui est sur le trône, j'ai écouté la parole, j'ai vu en pratique mon histoire ensemble et tout le pouvoir. Parce que nous avons vu que Paul a fait beaucoup de dégâts, il a persécuté le Seigneur et Dieu a dû la récupérer. Amen. Jésus est vivant. Si ça est fait, il faut le nom de Dieu. Notre bien-aimé Anne-Marie, aujourd'hui nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, je prie, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, oh, étant en Christ, l'ancienne vie passe. Et je prie maintenant, oh Seigneur, ta fille Anne-Marie est morte en Jésus et elle est ressuscitée en jeudi. Seigneur, à l'instant, je prie maintenant, Seigneur, que l'onction, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, 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 l'embrasse maintenant, l'embrasse maintenant, l'embrasse maintenant, l'embrasse maintenant, l'embrasse maintenant, l'embrasse maintenant.
Jésus-Christ a touché la bouche de Moïse. Il a donné le rouleau à Moïse, à Jérémie. De la même manière maintenant, Seigneur touche maintenant ta bouche. Seigneur touche ta bouche. Et sa parole de mettre ta bouche. Sa parole de mettre ta bouche. Sa parole de 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 ta bouche. Seigneur, je prie que tu délivres de mes salades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, révèle-la de toutes les amies du Saint-Esprit. Révèle-la de ton casque de salut. Protégez, Seigneur, oui, sa pensée de toute mauvaise, Seigneur Jésus, oui, initiation, de toute mauvaise doctrine, de toute mauvaise parole qui viendra la dérouter, Seigneur Jésus, qui viendra voler son salut dans le nom de Jésus. Tu reçois le casque du Saint-Esprit. Tu reçois maintenant la cuillère de la justice. Vous demeurez dans la justice, dans la justice de Dieu. Vous demeurez dans la vérité. Toujours dans la vérité. Défends la vérité. Vous demeurez dans la vérité au nom puissant de Jésus. Tu reçois maintenant les sorties du zèle de l'évangile. Que ton âme soit enflammée. Que ton âme soit enflammée de feu. Le zèle de l'évangile. La puissance de l'évangile. La soif de l'évangile. Le feu de l'évangile en toi. Ta bouche. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche, tu vas déclarer les paroles de l'esprit, de l'esprit qui comprend le cœur de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, révèle-le ton manteau de la fermeté. Le manteau, Seigneur, pour la nouvelle marche vers le ciel. Révèle-le, change ton manteau. Change ton vêtement. Tu reçois un nouveau manteau. Tu reçois un nouveau manteau. Le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Tu écouteras la voix de l'Éternel audiblement. Tu écouteras la voix de l'Éternel audiblement. Maintenant, tu verras clair. Tes yeux, toutes les païens, les poupres, qui sont, si tes yeux sont arrachés aujourd'hui au nom de Jésus, sont ôtés aujourd'hui, et jetés dans les abîmes. À compter de ce moment, le Seigneur te moins et anime en toi le feu de la prière, le feu de la prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons sonné cette prière. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Sœur Anne-Marie, dites-nous, quand tu as été plongé dans l'eau, tu es revenu, qu'est-ce que tu as senti? Amen. Alléluia. Je sais que le Seigneur m'a reçu. Amen. Et qu'il m'a prédit pour sa mission. Alléluia. Le royaume de l'enfer sera dépeuplé. Alléluia. Nous allons remplir le royaume du ciel. Alléluia. Voilà, Jésus. Voilà, Sœur Anne-Marie, le Seigneur est avec vous. La marche continue. Diacre. Avec moi, mais là, ouais. Non. Diacre. Et ça d'abord. Okay. Mets-le dans ton rien. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Sois béni. Pasteur, comment tu vas? Dis-moi, quelle est ta joie? Quelle est ta sensation? Yeah. Alléluia. Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux sort. Ça dit qu'il y a la joie là-bas, quoi. Alléluia. Ils sont en joie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 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 Amen. 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 Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Alléluia. La thème, c'est la dernière étape. Alléluia. C'est maintenant, maintenant, la marche qui est commencée. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voilà, Jésus. Et je rends gloire à Dieu de toute cette joie qui m'a rempli mon cœur, mon âme, mon esprit. Amen. Tout. Alléluia. Jésus. Mes frères et sœurs, de venir dans l'émission Jésus revient. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et il y a le bonheur, la bonté, la sainteté, la générosité, la joie, la dignité. Alléluia. Jésus. Vraiment, dis-moi. Après ce baptême d'eau, que fais-tu que le Saint-Esprit fasse? Après ce baptême d'eau, je veux que le Saint-Esprit m'utilise pour que je fasse son travail, pour que je parle à ses brebis de revenir dans sa maison pour le louer, pour donner leur cœur à Jésus et pour l'adorer de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces. Voilà Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Je veux le rendre gloire. Je le rends gloire. Toute gloire, Jésus. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Jésus. Je te rends gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Les temps sont finis. Alléluia. Il y a aussi le temps à faire. Consacrez votre jeunesse à Jésus. Les jeunes sont en enfer également. La mort ne connaît pas enfant. La mort ne connaît pas jeune. La mort ne connaît pas vieux. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Donnez la mortalité. Abandonnez le péché. Amen. Donc, voilà, nous allons prier pour la Seigneur. Voilà ce qu'elle veut. Voilà ce qu'elle veut de demander. Elle demande que le Seigneur la remplisse puissamment afin qu'elle puisse œuvrer efficacement pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur exauce pour toute sa vie. Prie le nom de Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon bon Père, Seigneur. Seigneur, je prie par Seigneur que ta exauce les vœux de ta servante. Seigneur, exauce les vœux de ta servante. Seigneur, je prie par Seigneur que tu l'utilises puissamment. Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Pour la voix de ton Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà Jésus. Dis-moi, quand tu médites la parole, ou bien quand tu es pour moi, tu ne peux pas avec le Seigneur, tu ne sais pas que tu es un roi, tu ne vas pas penser, non, ça te fera mon histoire. Jésus a un projet de faire ce que tu as déjà. Jésus a un prix de place. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, la vie. Si.
tu es né, si quelqu'un est né de nouveau, il est devenu une créature. Les choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Maintenant, je suis revenu nouvelle à Jésus-Christ et que ma vie est remplie de joie et que je vais marcher dans toute sainteté. Amen. Amen. Jésus. Est-ce que tu as reçu un nom? Amen. Béni. Voilà donc le nom que j'ai m'a inspiré, c'est Trifel. Donc, béni Trifel. Béni. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, ouais, vous voulez ajouter la joie. Une fois aussi, ça. La joie béni. La joie béni Trifel. Voilà, donc, notre bien-aimé, tu vois, nous allons d'abord prier pour que la bénédiction qui est derrière notre fête. De la même manière, l'apôtre Paul a travaillé où il ne faisait que saluer les triphènes, c'est-à-dire, c'est parce que ces triphènes, c'est-à-dire, ces servants de l'Éternel dans le temps avaient démontré quelque chose, une qualité que le Seigneur avait mis en eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a trop tête d'importance pour eux. Et chaque fois, l'apôtre Paul, il se rappelait Dieu, il se disait, saluez-moi triphène, saluez-moi si. C'est parce que ces gens-là l'ont marqué, ces servants de l'Éternel l'ont marqué avec quelque chose vraiment qu'ils n'arrivent pas à oublier. Donc, nous allons présenter du Seigneur. Quelle est la qualité que tu as trouvée en Trifel? Et tu as utilisé Trifel pour l'apôtre Paul. Seigneur, je prie que cette qualité demeure en elle. Seigneur, que cette qualité s'attaque à son âme. Prions de Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, je prie pour toi. Seigneur, tu as trouvé des qualités dans la vie de Trifel. Seigneur, je prie, papa, que cette qualité maintenant s'attache à son âme, Seigneur. Seigneur, je prie. De la même manière, tu as utilisé Trifel. Seigneur, que tu l'as utilisé pour toi. De la même manière, tu l'as utilisé pour tes serviteurs. Et je prie que tu l'utilises justement. Seigneur, utilise-la, Seigneur. Utilise-la. Seigneur, utilise la sienne. Utilise la sienne, je dis. Je prie que la bénédiction, la gloire, le succès qui demeurent derrière, qui sont derrière ce nom, Seigneur, l'onction qui est derrière ce nom, Trifel, s'attache à ce nom, Seigneur. Oh, je prie désormais pour ta servante, béni Trifel, Seigneur, la joie. Seigneur, je prie que tu sois avec elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Voilà. Notre bien-aimé, Trifel, la joie, béni de Jésus, béni de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es morte avec Christ. Aujourd'hui, nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu es morte avec Jésus. Et tu es ressuscité avec lui. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu l'as rempli maintenant. Seigneur Jésus, remplis-la maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie que tu la remplis. Seigneur, remplis-la maintenant, Seigneur. Seigneur, que tu l'embrasses maintenant, Seigneur. Seigneur, que tu l'embrasses maintenant, Seigneur. Que tu l'embrasses maintenant, Seigneur. Remplis-la maintenant, Seigneur. Remplis-la maintenant, Seigneur. Seigneur, remplis-la maintenant, Seigneur. Remplis-la maintenant, Au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière qu'elle a ouvert ses mères, et je prie que ses Seigneur, pour tes bénédictions, nos Jésus. Je prie que tu aies un Seigneur, c'est ainsi pour lui. Je suis incapable de faire le seul vrai Dieu qui va me soutenir. Jésus! Et sois son béni, son compagnon, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que les dons que tu as mis en elle, le don, Seigneur Jésus, que tu as mis en elle, de la libéralité. Seigneur, je prie que à l'instant que ce don soit activé, soit enflammé dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as mis en elle la qualité de recevoir, d'accueil. Je prie que cette qualité reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie,
Pose-toi la vie, pose-toi la vie. Et que ce don soit enflammé. Que ce don se manifeste. 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 Le don d'accueillir les gens. Seigneur, la générosité. Je prie que ce don soit manifeste dans les jours à venir au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Lorsqu'elle va imposer les mains de Jésus à des malades, qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la restauration. Qu'elle reçoive maintenant la restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie, papa, qu'à l'instant, mets dans ta bouche le feu de la prière, la puissance de la prière, le feu de la prière. Crée en lui la soif de la prière, la soif de la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, moi là, le temps au champ. Moi là maintenant, 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 moi là maintenant.